بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ما بعد، إخوة الإسلام، فعلم التوحيد أشرف العلوم قدرا وأوجبها مطلبا، لأنه العلم بالله سبحانه وتعالى وبأفعاله سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته وحقوقه على عباده، ولأنه مفتاح الطريق إلى الله سبحانه وتعالى وأساس شرائعه عز وجل. فهنا الله عز وجل donc la science du monothéisme c'est la plus noble des sciences, et la plus importante, et la plus obligatoire à demander, car c'est la science qui a rapport avec Allah subhanahu wa ta'ala, avec le fait de connaître Allah subhanahu wa ta'ala, avec le fait de connaître ses attributs, ses noms, et qui te permet de connaître les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette science a rapport avec les droits et les obligations vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, et nos obligations vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la science du monothéisme, il est la voie vers Allah subhanahu wa ta'ala et la base principale de ses législations. ولذلكم اجمعت الرسل على الدعوه اليه وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. فساكل لنانيميتي دي ميساج عليهم الصلاه والسلام تي سور لو فات كي ils ont tous appelé à Allah subhanahu wa ta'ala, vers Allah subhanahu wa ta'ala, vers le fait que le culte soit réservé exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Dans cette traduction approximative de ce verset, tout prophète que nous avons envoyé avec toi, nous lui avons révélé inni din d'être adoré qu'Allah, adorez-moi. Inni din d'être adoré que moi, adorez-moi. C'est-à-dire inni din d'être adoré qu'Allah, adorez-le. Wa shahid Allah subhanahu wa ta'ala li nafsihi bil wahdaniyah. وشهد له بها ملائكته وأهل العلم، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. الله سبحانه وتعالى سيأتستي à lui-même l'unicité. Et ces gens lui ont attesté le monothéisme. Et ainsi que les hommes de science, il est dit dans le verset, Allah a attesté qu'il n'est digne d'être adoré que lui, les anges ont attesté ainsi que les hommes de science, il est le mainteneur de la justice. فَلِذَا وَجَبَ عَلَيْنَا أَن نَعْتَنِيَ بِالتَّوْحِيدِ تَعَلُّمًا وَتَعْلِيمًا وَتَدَبُّرًا وَاعْتِقَادًا لِكَيْ نَبْنِيَ دِينَنَا عَلَى أَسَاسٍ سَلِيمٍ وَطُمْئِنَانٍ. Et c'est pour ça qu'il est de notre devoir et il est obligatoire pour nous de s'occuper du monothéisme, de l'apprendre, de l'enseigner, de le méditer, de le croire, de le mettre en application pour baser notre religion sur une fondation saine et être tranquille dans notre vie. فَإِذَا بَنَيْنَا دِينَنَا عَلَى التَّوْحِيدِ نَسْعَدْ بِنَتِيجَةِ ذَلِكَ يَوْمَ لِقَاءِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Si on base notre vie sur le monothéisme, nous allons être réjouis le jour où nous allons rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. وَبِمَا أَنَّ الْأَمْرِ كَذَلِكُ وَهُوَ كَذَلِكُ فَنَتَدَارَسُوا وَإِيَّاكُمْ كَلَامًا لِلْإِمَامِ الْفَقِيرِ الْأُصُولِ الْمُحَقِّقِ الْعَلَّامَةُ ابْنُ عُثَيْمِينَ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ حَوْلَ التَّوْحِيدِ وَمَعْنَى التَّوْحِيدِ فِي مُقَدِّمَةِ كِتَابِهِ الْقَوْلِ الْمُفِيدِ عَلَى أَدِلَّةِ التَّوْحِيدِ. Et puisque la situation est ainsi, et il est ainsi, nous allons étudier ensemble, Inch'Allah, des paroles de son éminence, le jurisconsulte par excellence, le pontificateur, son éminence, Cheikh Ibn Uthaymeen, rahmatullah alayhi, que Allah subhanahu wa ta'ala lui donne le firdaus al-a'la. Nous allons étudier l'introduction de son livre, qu'il a fait sur l'interprétation du livre du monothéisme. Yaqulu hafidhahullah. التوحيد في اللغة مصدر وحد الشيء أي داج عليه واحدا. Il dit رحمة الله عليه. Le monothéisme en langue arabe, توحيد, il vient de l'adverbe وحد. Il a unifié quand il a fait une chose qu'il soit unique. وفي الشرع إفراد الله تعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات.
Et dans la législation, c'est le fait de reconnaître à Allah subhanahu wa ta'ala l'unicité dans ce qui lui est particulier, la souveraineté, l'adoration, les noms et les attributs. وأقسامه ينقسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات et le monothéisme est divisé en trois parties le monothéisme de la souveraineté le monothéisme de la divinité et le monothéisme des noms et des attributs يقول رحمه الله وقد اجتمعت في قوله عز وجل رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادتي هل تعلم له سميا Et ces trois formes du monothéisme sont réunies dans ce verset. Tous les trois dans ce seul verset. Sinon, les preuves sont nombreuses dans le Coran. Le souverain des cieux et de la terre et ce qu'il y a entre, adore-le et impose-toi et fais des efforts sur toi-même pour l'adorer dans son adoration. Est-ce que tu lui connais un équivalent ou un similaire? Oui, ici, là, le monothéisme de la souveraineté, il est dans Seigneur des cieux et de la terre. Oui, il est le monothéisme de la divinité, adore-le, réserve-lui le culte, c'est le monothéisme de l'adoration. Hein? Où il est le monothéisme des noms et des attributs, est-ce que tu lui connais un similaire? والقسم الأول الذي هو توحيد الربوبية هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق والملك والتدبير. Et le premier monothéisme qui est le monothéisme de la souveraineté, c'est le fait de faire l'unicité à Allah subhanahu wa ta'ala dans la création, il est le seul qui crée, dans la royauté, c'est lui le seul qui possède, et dans le tadbir, dans la gérance, c'est lui le seul qui gère cet univers, le seul qui le possède, le seul qui le gère, le seul qui crée. فَإِفْرَادُهُ بِالْخَلْقِ أن يعتقد الإنسان أنه لا خالق إلا الله قال تعالى ألا له الخلق والأمر فهذه الجملة تفيد الحصر لتقديم الخبر إذ إن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر له الخلق أي صدرت عن الله سبحانه وتعالى خلق المخلوقات كلها علوها وسفلها أعيانها بأعيانها بأوصافها بأفعالها له الأمر الأمر المتضمن للشرائع متضمن للنبوات فالخلق يتضمن أحكامه الكونية القدرية وما يجب أن يكون في هذا الكون والأمر يتضمن أحكامه الدينية الشرعية ثم أحكام الجزاء وذلك يكون في دار البقاء et donc le fait de lui reconnaître qu'il est le seul qui crée hein, et de croire l'être humain doit croire qu'il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui crée il y a le verset dans sourate Al-A'raf qui dit à lui appartient la création et l'ordre hein? Cette phrase L'expression de cette phrase signifie que la création elle est réservée à Allah. Le seul qui l'a fait, c'est Allah. Hein? Car en arabe, quand on a une chose qui doit être à la fin de la phrase et mise au début de la phrase, cela implique que c'est réservé. Que c'est ici la création est réservée à Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et la création, tout ce qui est créé, il appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui les a créés. Hein? Que ce soit ceux qui sont dans les hautes sphères, dans les cieux eux-mêmes, ceux qui remplissent les cieux, ceux qui sont sur terre, au fin fond des mers, et il les a créés eux-mêmes,
ainsi que leurs caractéristiques et ainsi que leurs œuvres et ce qu'ils font. Et il a l'ordre, c'est-à-dire l'ordre qui englobe les législations et les prophéties. Il envoie les prophètes et il les gère à Zawajel. Et donc la création contient ce qui doit être dans cet univers. La destinée de cet univers, comment il doit être. Et l'ordre contient les lois de la religion et de la législation. Et il contient aussi la récompense dans l'au-delà ou le châtiment. Tout ceci découle de l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. وقال تعالى هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض فهذه الآية تفيد اختصاص الله سبحانه وتعالى بالخلق أن الله اختص بالخلق عز وجل لأن الاستفهام هنا مشرب بمعنى التحدي فيه تحدي هذا السؤال يتحدى فيه الله سبحانه وتعالى هل min khaliqin ghayrullah. Et dans notre verset, est-ce qu'il existe autre créateur qu'Allah qui vous donne la subsistance des cieux et de la terre? Cette phrase, aussi, ce verset, implique que la création n'est due qu'à Allah subhanahu wa ta'ala et que c'est particulier à Allah subhanahu wa ta'ala. L'expression ici, le style de la phrase sort avec une phrase interrogative qui est dans laquelle il y a le défi. Dans laquelle il y a le défi. C'est un style de défi. Est-ce qu'il existe un créateur en dehors d'Allah qui vous donne la subsistance et l'issue de la terre? Amma ma warada min itbati khaliqin ghayr Allah. كقوله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين وقوله تعالى وقوله صلى الله عليه وسلم في المصورين يقال لهم احيوا ما خلقتم فهذا ليس خلقا حقيقة وليس إيجادا بعد عدم بل هو تحويل للشيء من حال إلى حال وأيضا ليس شاملا بل محصور بما يتمكن الإنسان منه ومحصور بدائرة ضيقة فلا ينافي قولنا إفراد الله بالخلق. Quant à ce qui est dans, comme quoi dans les versets Allah subhanahu wa ta'ala confirme que d'autres peuvent créer certains de ses serviteurs créer quelque chose comme il est dit dans cette traduction approximative gloire et tout le bien au meilleur des créateurs qui est Allah. Et comme il a dit le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith authentique rapporté par l'imam Bukhari rahimahullah, quand Allah subhanahu wa ta'ala s'adressera aux photographes et aux dessinateurs qui dessinent les âmes, il leur dira: donnez la vie à ce que vous avez créé, donnez la vie à ce que vous avez créé. En réalité, des cheikhs, Abdallah, ça c'est pas une réelle créature, c'est pas une réelle création, c'est pas une création qui émane du fait de faire exister quelque chose qui n'existe pas, Abedan. Mais ce n'est qu'une transformation d'une chose, d'une situation à une autre situation. C'est transformer l'aspect d'une chose et de lui donner un autre aspect. Et ça englobe pas tout. Il ne concerne que certains domaines et il est arrêté dans certains aspects. Il est arrêté aux capacités de l'être humain. Et donc ceci ne va pas en contradiction avec le fait de dire que la création, elle est à Allah subhanahu wa ta'ala uniquement. Allah subhanahu wa ta'ala a fait dans les réserves de la terre les mines, il a fait le fer. Le fer, il existe ou pas? Comme minerai, il existe. Le fer, comme minerai, il existe ou pas? L'être humain, qu'est-ce qu'il fait à ce fer qui, là, il a créé? Il le transforme
Il fait avec des choses. Et on dit de lui qu'il a créé la voiture, qu'il a créé l'avion. Hein? Il n'a fait qu'au tronc. La même chose, le menuisier, l'arbre. Qui a créé l'arbre? Allah subhanahu wa ta'ala. À qui fait descendre l'eau, qui fait que cet arbre s'élance dans le ciel, etc. Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le menuisier, quand il utilise le bois, qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait que transformer quelque chose qui est créé, mais Allah. Donc même la création ou l'innovation de l'être humain, il n'est pas complet, il ne concerne que certains aspects, c'est va du domaine de la transformation, tout simplement. وَأَمَّا إِفْرَادُهُ بِالْمُلْكِ فَأَنْ نَعْتَقِدَ أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ الْخَلْقَ إِلَّا خَالِقَهُمْ كَمَا قَالَ تَعَالَى وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَقَالَ تَعَالَى قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ. Quant au fait de lui réserver la royauté, c'est de croire que personne ne possède les créatures que celui qui les a créées. C'est lui qui les possède. Hein? C'est lui qui les gère comme il veut, Azza wa Jal. Et il est dans le verset, et Allah appartient à la royauté des cieux et de la terre. Et dans notre verset, dit qu'il y a entre ses mains la royauté de toutes choses. وَأَمَّا مَا وَرَدَا مِنْ إِتْبَاتِ الْمُلْكِيَةِ لِغَيْرِ اللَّهِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. وقال تعالى أو ما ملكتم مفاتحه فهو ملك محدود لا يشمل إلا شيئا يسيرا من هذه المخلوقات. فالإنسان يملك ما تحت يديه ولا يملك ما تحت يدي غيره. وكذا هو ملك قاصر من حيث الوصف. فالإنسان لا يملك ما عنده تمام الملك ولهذا لا يتصرف فيه إلا على حسب ما أذن له فيه شرعا. فمثلا لو أراد أن يحرق ماله أو يعذب حيوانه قلنا لا يجوز. أما الله سبحانه وتعالى فهو يملك ذلك كله ملكا عاما شاملا. Dans la confirmation de la royauté de la possession à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, comme dans cette traduction approximative du verset, sauf vos femmes et ce que vous possédez, ou ce que dont vous avez les clés, les choses que vous possédez, dont vous avez les clés. Ça, c'est une royauté, c'est une possession qui est limitée. C'est pas la possession de toutes les créatures. L'être humain, il possède ce qu'il possède, mais il possède pas ce que possède l'autre. Il a ce qu'il a sous sa main, et ce qu'il possède qui est sa possession. Mais est-ce qu'il peut gérer ce que l'autre possède? Abadan. La possession et la royauté d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est complète. Elle est au sens large du terme. Celle de l'être humain, il est limité. Il est limité à ce qu'il possède. Et en plus de ça, l'être humain, il ne peut pas faire ce qu'il veut dans ce qu'il possède. Il doit gérer ce qu'il possède, comment il lui a été demandé, comment il lui a été légiféré. S'il veut brûler de l'argent, il dit non. Ou maltraiter un animal, son animal. Non, tu n'as pas le droit, il n'est pas permis. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il a la possession et la royauté de toutes choses au sens large du terme. Et la possession des êtres humains, il est relatif. Aujourd'hui, ce bâtiment, on dit qu'il appartient à Mustafa. Salat al-Fajr, demain, on fait la prière du mort sur Mustafa. Après, on va dire, le bâtiment, il appartient aux héritiers de Mustafa. Ça, il lui appartient plus, c'est terminé. Donc ton argent, tu fais comme tu veux, tu dois sortir la zakat, tu dois pas gaspiller, pas lapider, tu dois acheter avec le halal et non pas le haram, même si tu l'as gagné par ta sieur, et ainsi. Donc tu peux, ta position elle est limitée,
La position de l'être humain est limitée. Mais la position d'Allah subhanahu wa ta'ala, la royauté d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est au sens large du terme. Les rois, ils sont rois durant leur vie, sur une partie, un pays, hein, d'une superficie bien limitée. Un autre, il est roi de l'autre côté. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il est le roi de tout cet univers et ce qu'il contient. Et il est le roi de ce bas monde et de l'au-delà. Hein? وما إفراد الله بالتدبير فهو أن يعتقد الإنسان أنه لا مدبر إلا الله وحده كما قال تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل فلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فما بعد ماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. Quant au fait, tadbir qui est le fait de gérer, Allah subhanahu wa ta'ala est le seul qui gère ce monde. C'est lui qui ordonne ce qu'il veut dans cet univers. Et il n'y a dans cet univers que ce que veut Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'être humain doit croire que rien ne peut se passer dans cet univers sans le vouloir d'Allah. Et qu'il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui gère uniquement ce monde. Dis à l'être humain de faire lever le soleil de l'ouest. Ya Allah. Amen. Hein? Et le verset, il est clair dans la traduction approximative. Dis-leur, qui vous donne la subsistance du ciel et de la terre? Qui possède lui et la vue? Qui sort le vivant du mort et le mort du vivant? Hein? Qui gère toutes les situations? Ils vont dire c'est Allah. Dis-leur, pourquoi vous ne préservez pas le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala? C'est lui votre souverain. Hein? Et le seul que vous devez adorer. Hein? Allah est le seul que vous devez adorer. Ça, c'est la vérité. Et après la vérité, il n'y a que l'égarement. Où vous allez? Hein? Le verset, il est clair, il te montre que cette gérance. Hein, que rien ne peut se passer dans son monde. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui sort le vivant du mort, hein, et le mort du vivant, c'est lui qui donne la subsistance, c'est lui, et ainsi de suite. Il n'y a rien qui peut se passer dans cet univers sans l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Amma tadbiru l'insan fa mahsour bima tahta yadayhi wa mahsour bima udina lahu fi shar'an. Quant à l'être humain, à ce que gère l'être humain, ben il ne concerne que ce qui est entre ses mains et ce qu'il possède. Et en plus de ça, il doit le gérer selon la législation. Il est limité. Il ne doit pas faire comme lui il veut. Mais il doit se soumettre et se conformer aux ordres d'Allah dans ce qu'il fait. Hein? Hein? وهذا القسم من التوحيد لم يعارض فيه المشركون الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم بل كانوا مقرين به قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم فهم يقرون بأن الله هو الذي يدبر الأمر وهو الذي بيده ملكوت السماوات والأرض. Quant à cette forme du monothéisme qui est le monothéisme de la souveraineté, aucun des associateurs ne s'opposait pas à ce genre de monothéisme. Tous ceux qui ont reçu les messages à l'Ensemble ne se sont pas opposés à ce genre de, à cette forme de monothéisme qui est le monothéisme de la souveraineté. Tous le confirmaient. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, dans cette traduction approximative. Si tu leur poses la question, qui a créé les cieux, la terre, ils vont dire, le puissant, le savant les a créés. Celui qui a la puissance, qui a le savoir, c'est lui qui les a créés. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Aziz ou Al-Alim. Donc ils confirment qu'Allah subhanahu wa ta'ala gère. Il n'y a que l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala qui gère cet univers. Et que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a entre ses mains la royauté des cieux et de la terre.
ولم ينكر أحد معلوم من بني آدم فلم يقل أحد من المخلوق إن للعالم خالقين متساويين. Et personne parmi, connu parmi la descendance d'Adam, n'a rejeté le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala c'est le seul créateur et c'est lui qui possède le royaume des cieux et de la terre, etc. Et personne n'a dit que ce monde il a deux créateurs qui sont à pied d'égalité. Ebeden. فَلَمْ يَجْحَدْ أَحَدٌ تَوْحِيدَ الرُّبُوبِيَّةِ لَا عَلَى سَبِيلِ التَّعْطِيلِ وَلَا عَلَى سَبِيلِ التَّشْرِيكِ إلا ما حصل من فرعون فإنه أنكره على سبيل التعطيل مكابرة فإنه عطل الله من ربوبيته وأنكر وجوده سبحانه وتعالى قال تعالى حكاية عنه فقال أنا ربكم الأعلى وقال ما علمت لكم من إله غيري وهذا مكابرة منه لأنه يعلم أن الرب غيره كما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا وقال تعالى حكاية عن موسى وهو يناظره أي يناظر فرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض فهو في نفسه أي فرعون مقر بأن الرب هو الله عز وجل. Et donc, personne n'a rejeté le monothéisme de la souveraineté, ni dans un sens de négation, ni en mettant un associé à Allah subhanahu wa ta'ala dans la création. Personne ne l'a fait. Sauf ce qui est arrivé de la part de Pharaon. Pharaon l'a fait au niveau de la négation. Il a nié qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le souverain par orgueil tout simplement. Il a fait la négation de la souveraineté d'Allah subhanahu wa ta'ala par orgueil. Il a nié l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a dit, dans la traduction approximative, « Je suis votre souverain le plus haut. »« Je suis le souverain le plus haut pour vous. Hein? » Et il leur a dit aussi, « Je ne vous connais pas une autre divinité à part moi. » Ainsi a parlé Pharaon. Mais ça, c'est tout simplement par orgueil. Car il sait au fin fond de lui-même que le souverain, ce n'est pas lui. Il le sait très bien que le souverain, ce n'est pas lui. Car dans notre verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre comment il. Hein, comment, quoi, Pharaon, il savait que le souverain, ce n'est pas lui. Ils l'ont nié alors qu'ils avaient la certitude de ce dans leur cœur, ils l'ont nié tout simplement par injustice et pour s'élever sur les autres. Par injustice et pour s'élever, par orgueil. Hein? Mais au fin fond de lui-même, Pharaon savait qu'Allah c'est le souverain, que le seul créateur c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala nous cite l'histoire de Moussa alayhi salam débattant avec Pharaon. Dans la traduction approximative, il dit لَقَدْ عَلِمْتَ Pharaon lui dit, tu sais que ceci est descendu d'Allah, le souverain des cieux et de la terre. Il dit, tu sais, au fin fond de toi-même, que ce que je dis, et la Torah, et tout ceci, que je te ramène ces preuves, vient d'Allah, le souverain des cieux et de la terre. Donc Pharaon, il confirmait en lui-même que le souverain c'est Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il n'avait rien dans la souveraineté. Et donc s'il l'a nié, c'est tout simplement par orgueil. وَأَنْكَرَ تَوْحِيدُ الرُّبُوبِيَّةِ عَلَى سَبِيلِ التَّشْرِيكِ الْمَجُوسِ حَيْتُ قَالُوا إِنَّ لِلْعَالَمِ خَالِقَيْنِ هُمَا الظُّلْمَةُ وَالنُّورِ ومع ذلك لم يجعلوا هذين الخالقين متساويين. Et a mis de côté, il a nié cette forme de monothéisme qui est le monothéisme de la souveraineté au niveau de l'associationnisme du zoroastrien. Ils l'ont fait d'une façon qui est de l'associationnisme. C'est les zoroastriens, les adorateurs de feu. Ils ont dit le monde il a deux créateurs, c'est la lumière et les ténèbres. Et malgré tout ça, ils ne les ont pas mis à pied d'égalité. Ils n'ont pas mis
la lumière et les ténèbres à pied d'égalité. فهم يقولون إن النور خير من الظلمة لأنه يخلق الخير والظلمة تخلق الشر والذي يخلق الخير خير من الذي يخلق الشر. Et ils disent, la lumière est mieux que les ténèbres, car la lumière crée le bien, et les ténèbres créent le mal, et celui qui crée le bien est mieux que celui qui crée le mal. وأيضا فإن الظلمة عدم لا يضيء والنور وجود يضيء فهو أكمل في ذاته. Et ils disent aussi que les ténèbres c'est quelque chose qui n'existe pas, où il n'y a pas de lumière. Ils ne donnent pas de lumière. Et ils disent la lumière c'est quelque chose qui existe et qui donne de la lumière, donc il est plus parfait en lui-même, la lumière. ويقولون أيضا بفرق ثالث وهو أن النور قديما قديم على اصطلاح الفلاسفة واختلفوا في الظلمة هل هي قديمة أو محدثة على قولين. Et ils disent aussi une autre différence, une troisième différence, c'est que la lumière est plus ancienne. Ils utilisent ici la terminologie des philosophes. Ils ont une divergence sur les ténèbres, est-ce qu'ils sont anciennes ou ils sont nouvelles. ودلالة العقل على أن الله على أن الخالق للعالم واحد. قال الله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. الشيخ ici il nous ramène les preuves de la raison comme quoi ce monde il n'a qu'un seul créateur, et ces preuves de la raison se trouvent dans la révélation. Il est dit dans le verset, Allah n'a pas pris d'enfant et il n'y avait pas une autre divinité avec lui. Et s'il y avait une autre divinité avec lui, cette divinité serait partie avec ce qu'il a créé, et que un va vouloir prendre le dessus sur l'autre. يقول الشيخ رحمه الله إذ لو أثبتنا للعالم خالقين لكان كل خالق يريد أن ينفرد بما خلق ويستقل به كعادة الملوك إذ لا يرضى أن يشاركه أحد. Il dit si on confirme deux créateurs à ce monde, donc chacun va vouloir se réserver ce qu'il a créé et avoir l'indépendance dans ce qu'il a créé, comme si l'habitude des rois. Ils n'aiment pas qu'un autre roi vienne, qu'il soit associé avec eux dans leur royaume. وإذا استقل به فإنه يريد أيضا أمرا آخر وهو أن يكون السلطان له لا يشارك فيه أحدا. Et quand il prend l'indépendance sur ce qu'il a créé, il veut aussi que son pouvoir lui soit unique. Il veut que personne ne soit associé avec lui dans le pouvoir. Il veut gérer son royaume comme il veut. وحينئذ إذا أراد السلطان فإما أن يعجز كل واحد منهما عن الآخر أو يسيطر أحدهما على الآخر فإن سيطر أحدهما على الآخر تبثت الربوبية له وإن عجز كل منهما عن الآخر زالت الربوبية منهما جميعا لأن العاجز لا يصلح أن يكون ربا. Il dit dans ce cas-là, s'il veut le pouvoir, s'ils veulent le pouvoir tous les deux, ceux qui ont la création, s'ils voulaient le pouvoir, si un est incapable devant l'autre, l'autre va mettre le dessus sur tout et prendra le pouvoir. Et si il a pris le pouvoir, donc la souveraineté va lui être confirmée. Et si tous les deux sont incapables, la souveraineté, et aucun d'eux ne l'aura. Car l'incapable ne mérite pas d'être souverain. وياتي ويقول القسم الثاني توحيد الربوبية. توحيد الألوهية. ويقال له توحيد العبادة.
باعتبارين، فباعتبار إضافة إلى الله يسمى توحيد الألوهية، وباعتبار إضافة إلى الخلق يسمى توحيد العبادة، وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة. Et on arrive à, au deuxième monothéisme, le monothéisme de la divinité. On dit de ce monothéisme, on appelle de deux appellations, le monothéisme de l'adoration et le monothéisme de la divinité. Il est appelé le monothéisme de la divinité parce qu'il est attribué à Allah. Et il est appelé monothéisme de l'adoration parce qu'il est attribué aux créatures. C'est elles qui doivent adorer. Et donc l'uluhiya, il est à Allah. Et l'ibada, c'est les gens qui doivent faire l'adoration. C'est pour ça que le monothéisme de la divinité, alors comme quoi le culte est réservé à Allah subhanahu wa ta'ala, le monothéisme de l'adoration, que les serviteurs doivent réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. فالمستحق للعبادة هو الله. قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق أن ما يدعون من دونه الباطل. Donc celui qui mérite l'adoration, c'est Allah. Il est dit dans le verset, dans la traduction approximative, certes Allah c'est la vérité, c'est-à-dire celui qui doit être véridiquement adoré, c'est Allah. Et ce que vous adorez en dehors d'Allah, c'est le faux. Donc en vérité, qui doit être adoré, c'est Allah. Ce que vous adorez en dehors d'Allah, c'est faux. وَالْعِبَادَةُ تُطْلَفْقُ عَلَى شَيْئَيْنِ. Et l'adoration se donne à deux choses. الأول التعبد بمعنى التذلل لله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه محبة وتعظيما. الثاني المتعبد به، فمعناها كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. إلى دوغاسيون on disait avec deux choses. Premièrement, le fait d'accomplir l'adoration, le fait de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de mettre ta'abbud, qui est le fait de mettre en application les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de mettre en application ses ordres, s'abstenir de ses interdits, par amour d'Allah et par vénération à Allah subhanahu wa ta'ala. Hada ta'abbud, li huwa tadallul. Muta'abbad bih, la chose avec laquelle on adore, le moyen d'adoration. Et c'est là, Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah, rahmatullah alayhi, a dit, l'adoration, c'est un nom général qui englobe tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée parmi les paroles, les œuvres. Les paroles et les œuvres apparents et cachés. Les paroles et les œuvres de l'intérieur, c'est-à-dire du cœur et des membres. Du moment que Allah subhanahu wa ta'ala les aime et les agrée, Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce cas-là, c'est de l'adoration. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala ne les aime pas, il ne les agrée pas, et ça encourt la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça veut dire que c'est de la désobéissance, c'est pas de l'adoration. مثال ذلك الصلاة ففعلها عبادة وهو التعبد. Exemple, la prière, le fait de prier, c'est un acte d'adoration. C'est adorer Allah subhanahu wa ta'ala. ونفس الصلاة عبادة وهو المتعبد به. Et la prière, c'est une adoration. Et c'est avec la prière qu'on adore Allah subhanahu wa ta'ala. فإفراد الله بهذا التوحيد أن تكون عبدا لله وحده تفرده بالتذلل محبة وتعظيما وتعبده بما شرح. Et donc, unifier Allah subhanahu wa ta'ala avec ce monothéisme, c'est que tu sois un serviteur d'Allah uniquement. Tu lui réserves le culte uniquement. Tu l'adores par amour et par vénération. Tu l'adores avec ce qu'il a légiféré, par amour et par vénération. Qala ta'ala, la taj'al ma'allahi ilahan akhara fataq'uda madhmouman makhdoula. La taj'al. Il est dit dans le verset, ne fais pas à Allah subhanahu wa ta'ala un associé.
Et pas avec Allah, adore Allah et avec. Ne lui fais pas un associé ni dans la création, ni dans les noms, les attributs, ni dans l'adoration. Rien. Si tu agis ainsi, bah, tu vas rester, tu vas faiblir et tu vas être blâmé par la fin. Et ça va être la perte totale. Wa qala ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Fawasfuhu subhanahu bi annahu rabbul alamin. كالتعليل لثبوت الألوهية له فهو الإله لأنه رب العالمين وقال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم فالمنفرد بالخلق هو المستحق للعبادة Il est dit dans l'autre verset Louange à Allah, le souverain des mondes. Le fait qu'il est décrit étant le souverain des mondes, c'est la cause pour lui confirmer l'adoration et la divinité, qu'il est le seul digne d'être adoré. Car il est le souverain des mondes. Donc les mondes doivent l'adorer, doivent lui réserver le culte exclusivement. Et il est dans l'autre verset, « Ô gens, adorez votre souverain qui vous a créé, ainsi que ceux avant vous. » Donc celui qui a la création, qui est le seul qui est créé, c'est celui qui mérite l'adoration. Et j'ouvre une parenthèse. Chaque fois que tu vois les versets dans lesquels il y a la souveraineté d'Allah, c'est pour interpeller les gens au fait qu'ils doivent réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Les versets qui sont là souvent interpellent les associateurs. Vous reconnaissez qu'il a cette souveraineté. C'est lui qui donne la vie, c'est lui qui a créé les cieux et la terre, qui gère, etc., qui donne la solution. Donc c'est à lui. Pourquoi vous ne vous préserverez pas ses droits? Pourquoi vous vous détournez de son adoration? Souvent les versets ils sont comme ça. Ils interpellent parce que le fait de reconnaître la souveraineté d'Allah implique obligatoirement le fait de l'adorer. Tu reconnais sa souveraineté, ben, il est obligatoire pour toi que tu l'adores. Idem, min as-safahi. أن تجعل المخلوق الحادث الآئل للفناء إلها تعبده فهو في الحقيقة لن ينفعك فهو في الحقيقة لن ينفعك لا بإيجاد ولا بإعداد ولا بإمداد فمن السفه أن تأتي إلى قبر إنسان صار رميما تدعوه وتعبده وهو بحاجة إلى دعائك وأنت لست بحاجة إلى أن تدعوه فهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فكيف يملكه لغيره Et donc fait partie des situations insensées ce que tu fasses de cette créature qui périt et qui va périr et qui va mourir et qui mourra qui deviendra de la poussière ce que tu fasses d'elle une divinité que tu adores En réalité, cette créature ne peut rien pour toi, ne peut pas te faire exister, ne peut pas te sortir du néant, ne peut pas t'aider dans quoi que ce soit, ni te secourir dans quoi que ce soit. Enfin, fait partie de la situation d'insensé, c'est que de venir à une tombe et de demander à cette personne qui est devenue de la poussière, hein, et que tu lui demandes, hein, de te donner des enfants, ou là que tes enfants réussissent, ou là, etc. Alors que lui, dans sa tombe, il a besoin de ton dua. C'est toi qui peux être utile pour le mort, en lui faisant des dua. Et toi, tu n'as pas besoin de son mort, parce qu'il ne peut rien pour lui, ni le mal, ni le bien pour lui. Comment il le peut pour autre? Il ne peut rien. Ouais, il a besoin de toi, que tu lui fasses des dua. وهذا القسم كفر به وجحده أكثر الخلق ومن أجل ذلك أرسل الله الرسل وأنزل عليهم الكتاب قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون Et cette forme de monothéisme, beaucoup l'ont rejeté.
Beaucoup ont mécru en cette forme de monothéisme qui est le fait de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé les messagers vers leur peuple. Et il a descendu sur ces messagers les livres. Et il dit dans le verset, hein, tout messager que nous avons envoyé avant toi, nous lui avons révélé, il n'est digne d'être adoré comme moi, adorez-moi. C'est-à-dire, il n'est digne d'être adoré qu'Allah, adorez Allah. Tous les prophètes. Et les guerres qu'il y a eu entre les prophètes et leur peuple, non pas pour la souveraineté, pour le monothéisme de la souveraineté, pour le monothéisme de l'adoration. ومع هذا فأتباع الرسل قلة قال عليه الصلاة والسلام فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد والحديث صحيح. Et malgré tout ça, les disciples des messagers عليه الصلاة sont peu nombreux. Rasul صلى الله عليه وسلم a dit, j'ai vu le prophète vient avec lui une seule personne ou trois personnes ou deux personnes. Vient un prophète, il arrive, il n'y a personne avec lui le jour de la résurrection. Il avait la vérité avec lui. C'est que les disciples et ceux qui suivent la vérité ont été toujours peu nombreux. Que la masse, ce n'est pas un emblème de la vérité. Que les disciples de la vérité sont toujours peu nombreux. Donc tu ne dois pas te sentir seul. Hein? Continue sur le chemin de la vérité. Et ne te fais pas avoir par le nombre. وَإِن تُطِعْ أَكْتَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. La traduction approximative du verset dit, si tu obéis à beaucoup parmi les gens de la terre, ils vont te détourner du chemin d'Allah. Donc. يقول الشيخ من العجل أن أكثر المصنفين في علم التوحيد من المتأخرين يركزون على توحيد الربوبية وكأنما يخاطبون أقواما ينكرون وجود الرب وإن كان يوجد من ينكر الرب لكن ما أكثر المسلمين الواقعين في شرك العبادة. يلدي رحمه الله يستطن يلدي يتنونت la situation des écrivains qui ont écrit sur le monothéisme, parmi les contemporains, les derniers. Ils disent tous, ils écrivent concernant le monothéisme de la souveraineté. Ils disent comme s'ils s'adressent à des gens qui ont nié, qui ont rejeté, mis de côté l'existence du souverain. Ils disent même s'il existe, hein, des gens qui renient le souverain, mais beaucoup de musulmans sont dans l'associationnisme, dans l'adoration. Associés à Allah subhanahu wa ta'ala dans leurs actes d'adoration, sont tombés dans l'associationnisme au niveau de l'adoration. Hein? Regarde à droite et à gauche de la planète, les tombes qui s'adorent en c'est simple. Jeudi, avant-hier, c'est le Moulud. Combien de bêtes ont été, combien de chameaux ont été égorgés pour autre qu'Allah? Pour soi-disant salihim. Combien? Combien de moutons? Combien de boucs? Combien? Combien? Combien d'offrandes ont été offertes? Hein? Pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Combien de vœux ont été faits? Ils vont se faire encore parce qu'ils durent plus d'une semaine à travers le monde. Hein? Et les bêtes qui se gorgent pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a qu'à voir maintenant. Hein? Et regarde combien de nos contemporains tu lui entends parler. Ils ne parlent que de la souveraineté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils utilisent des discours pour ébahir les gens devant la grandeur de l'univers d'Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, la grandeur de l'univers d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais après, c'est-à-dire que nous devons, après avoir fait connaître la grandeur de l'univers d'Allah et la majesté d'Allah subhanahu wa ta'ala et la perfection de la création, appeler les gens à réserver le culte à ce souverain qui a cette majesté et à ce souverain qui a fait les choses à la perfection. Et non pas tout simplement s'arrêter à ça. Hein?
ولهذا ينبغي أن يركز على هذا النوع من التوحيد حتى نخرج إليه هؤلاء المسلمين الذين يقولون بأنهم مسلمون وهم مشركون ولا يعلمون. ها؟ يجي الشيخ العثيمين رحمه الله يجي سي بور سا نو دوفون فورتمون أبيي سور سو فورم دو مونوثيزم بور سورتير سي مسلمون كي سو ديز مسلمون. Alors que ce sont des associateurs, ils ne le savent pas. Ils sont dans l'associationnisme, ils ne le savent pas. Hein? Donc, il faut faire beaucoup de cours, beaucoup de rappels concernant le monothéisme de l'adoration. Voilà ce que ça veut dire. Parce que beaucoup, hein, de musulmans voue le culte pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout un chacun voit ce qui se passe, hein, chez lui, voit ce qui se passe avec ses grands-parents, voit ce qui se passe avec ses parents des voix, avec ses grandes sœurs, avec ça, etc. Comment, hein, dès qu'ils ont, hein, ils n'arrivent plus à trouver les cieux à quoi que ce soit, ils vont attacher leur cœur et lier leur cœur à un gris-gris d'un charlatan ou à une pierre ou à un mausolée ou à Vazinta. Et la liste est très longue, ça n'en finit pas, hein. Certains, pour faire les gars, ils ont le petit bébé, dès qu'il naît ils commencent à lui mettre, hein, le couteau sur le oreiller. Ah, le galère pour que le génie ne le touche pas la nuit. Là, le jeune, s'il va te toucher, il va te toucher avec ton couteau ou en dehors de ton couteau. Pour te protéger du jeune, il faut utiliser, hein, les deux A du messager, pour t'en préserver, toi et ton enfant. Pas le couteau est attaché à un morceau de ferraille. Hein? Certains leur mettent quoi, hein? Les pierres d'Alain, certaines graines de fermentation, le haram al-ala et d'autres, dans des trucs. Hein? Il dit, ça va le protéger. D'autres, ils utilisent, et c'est grand, hein, des pièces d'argent en plus. L'étoile qui a dessus, c'est l'étoile juive. L'étoile de David, allez, l'étoile de Daoud. Hein, dans la monnaie ancienne d'Afrique du Nord. Hein, ils la mettent avec ses gris-gris, ils disent ça va protéger. Hein, ils la mettent dans le gris-gris, ils disent ça va les protéger. Et certains, ils s'attachent à certaines couleurs. Kada, 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 kada. Des futilités à l'islam. Des futilités. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Subhanak Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa salli Allahumma wa sallim.